J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Tu veux toujours que je l'attache au bateau ? Atreus. Ça suffira. Père ? Quoi ? Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Et
retrouves les tiens. Tu es libre. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as bien chassé? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Père, pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne ? Ça dépendra de toi. Allez. Qu'as-tu trouvé ? Des traces. Mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Encore des traces ? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula ! Et maintenant ? Par ici, Atreus. Hop ! Oh. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici ! Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser ? Écarte-toi. Vas-y. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le voilà ! Attends ! Oh. Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, il va se méfier ! Tu ne tires ! Tu ne tires !
que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Des drogards. Ils s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. Avance. Là-haut ! Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Tu peux me rendre mon arc maintenant. Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Le moment est venu. D'accord. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette grille. Elle s'ouvre! Tu l'as figé! Pas bête. Bon. Il est parti par là.
Il n'en a plus l'utilité. Nous si. Père, regarde. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vie de ton esprit. Détends ton bras et inspire. Expire et lâche la corde. Je peux le faire. Bien. Ramène la corde à ton menton. Maintenant. Bien. Il est encore en vie. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas.
émotions, Atreus. Je vais bien! Tue-le! Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? J'ai peur de personne! Atreus, regarde-moi! Regarde-moi, Atreus! Atreus, regarde-moi! Moi aussi. Tu n'es pas prêt. Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf! J'ai fait une preuve! Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Je ne veux plus t'entendre. Le chemin vers la maison est par là.
T'arrives toujours pas à ouvrir les portes, hein. Silence. Voudrait brûler le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqués? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Allez, rentre. Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors, vas-y. Tu veux que je te frappe? Je veux que tu essaies. Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore! Cette colère... Tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça? Silence. Sors de là! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus,
sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Par de chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin ! Tu aurais dû écouter. Je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Pathétique. Je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'is? Toucher un point sensible, on dirait. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux, Elle.
Non, tu n'aurais pas dû venir à Midgard. Bien. On remet ça? Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. C'est qui tu protèges, hein? Vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. Nous aurions pu éviter tout ça. Pas tes... Tu ne peux pas gagner! Je ne sens rien! Mais toi... Tu sens tout, et pourtant, tu continues à chanter. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non! Finissons-en. Tu ne peux pas me battre!
Mais c'est impossible.